Et ben bonjour à tous les amis, pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sans son. C'est vrai que j'ai coupé le son de Brawl Star. Alors, aujourd'hui on se retrouve sur Brawl Star et on va mettre la musique. Et on est content, on a la musique. On va pas mettre trop fort non plus, on va pas déconner non plus. Voilà. Alors, on se retrouve sur Brawl Star, le nouveau jeu par les créateurs de Clash Royale et Clash of Clans. Donc c'est un jeu de petit arcade combat. Alors j'ai joué un petit peu, c'est mon compte principal, j'ai voulu faire un nouveau compte mais je n'y arrive pas. J'arrive pas à me déconnecter mais je peux pas. Donc voilà, je joue qu'une fois donc ça j'ai pas changé. Donc voilà, on peut pas faire grand chose. Créer code équipe, on ne peut pas. Bon, soit c'est pas grave, on va jouer sur mon compte principal. Il y a rien de méchant. Alors, je vais vous expliquer. Donc, on a des brawlers, c'est-à-dire ces petits personnages-là, qui ont bien sûr des capacités tous différentes, des attaques tous différentes. Par exemple, celui-là, bon, il a pas beaucoup, il a un peu moins de 4000 de vie, il a de l'attaque, il a de la super attaque, etc. Et bien sûr, on a d'autres personnages, comme genre lui, qui peut invoquer un petit monstre, qui invoque son attaque spéciale, c'est lui. Toi, bon, c'est un petit pistolet, etc. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça sur internet, où je vous expliquais ça, où ça explique correctement. Donc voilà, toi, je t'ai fait monter de rang, donc t'as un peu plus de vie, t'as pas mal d'attaques, etc. Moi, je joue avec. Avec lui, parce que il est stylé et je sais bien le jouer, donc voilà. Alors on a sur un système de trophées où on gagne des trophées. En bas à droite, vous voyez, on a joué et au-dessus on a des genres de mini crânes là, 100 sur 100. Ça, en fait, c'est le genre de coffre qu'on peut gagner et en fait on gagne pour ceci, hein, les coffres bleus à gauche. Et les coffres mauves, c'est quand on fait des super des joueurs stars. Donc voilà, en social, on peut bien sûr se connecter avec ses potes. Le magasin, on peut acheter comme dans tous les jeux. On a bien sûr des classements mondiaux, etc. Et on peut bien sûr avoir au milieu les parties différentes. Donc nouvel événement, nouvel événement, nouvel événement. On a plein de nouveaux trucs, etc. Donc là, on a. Le truc intéressant, hein. Donc, faut avoir des trophées pour avoir des nouveaux modes de jeu. Alors survival, survivant en fait, on est 10 et on a tous tapé sur la gueule. Braquage, je connais pas. Et Raza Gem, ça je connais. Il faut avoir 10 gemmes pour gagner, etc. On va commencer par faire un petit mode classique. On peut jouer à 3, donc ça se joue à 3. Et on est parti. Donc voilà, c'est le mode, ça c'est vraiment le mode classique. Que tout le monde a de base, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, on a les touches de gauche pour se déplacer et de droite pour taper. Et le genre de crâne, c'est pour mettre l'attaque spéciale. Donc là, on est en train de nous mettre la race. Voilà, on a un système de kill aussi. Plus tu fais de kill, mais plus tu les laisses attendre. Et il faut avoir les gemmes qui vont spawn au milieu. Il faut les avoir un maximum. Il faut en avoir 10 et il faut les garder 15 secondes. Donc il faut faire gaffe, lui il est tellement con qu'il va à l'abattoir. Moi on va essayer de back pour pas perdre un truc. Hop, il en a 4 là, il met de la dynamite. Le gros joueur là, Oma il sait pas jouer. Hein. Hop, bien sûr on a un système, hop, on met la petite l'ours pour faire des kills. Et pour se défendre, les faire redescendre un peu sur terre. Voilà, là on a 4 et c'est nous qui les avons. Il faudrait qu'on passe à 10, ainsi on gagne. Mais on gagne pas tout de suite. Hein. Donc voilà, là il faut tenir un petit peu, faut pas mourir, sinon on les perd. Donc généralement, moi j'aime bien quand il y en a un qui l'a et les autres défendent et l'autre se planque.
Par exemple, là, je vais essayer d'avoir un maximum. Là, je suis à 8. Donc, je vais attendre. Je vais essayer d'aller en chouré. Problème de connexion. Donc, voilà. Je vais essayer d'attendre. Essayer d'aller en chouré 2, 3. Enfin, 1. Enfin, 2. Faut essayer de pas mourir. J'ai même mon ours pour qu'il puisse focus l'ours et pas moi. Faut vraiment faire gaffe à tout parce que je suis à 8. Ah, voilà. On a 11. 12. Faut tenir 15 secondes, hein, c'est ça le plus chaud. C'est bon, on va gagner, vous inquiétez pas, on va gagner. J'en ai 10, donc même si l'autre meurt, je m'en fous. Moi, je vais me planquer pour gagner. C'est une technique de pute, je suis d'accord. Mais c'est quasiment que tout le monde fait ça. Donc voilà, on va gagner. Je suis à 7 et ben voilà, on va gagner. Parce que je me suis planqué pour pouvoir gagner. Donc je suis pas le joueur star, mais on gagne pas beaucoup, hein. On gagne 5, ça dépend. Voilà, on gagne, et bien sûr, on gagne quelques trucs en plus. Donc, on peut quitter, et on a des trophées, c'est cool. On a 150, et bien sûr, on a eu un petit truc comme ceci. Alors, je vais changer de mode de jeu, je vais aller en survivant, on peut aller en duo ou en solo. On va aller en solo. Alors si vous voulez m'ajouter, il n'y a aucun souci. On va pouvoir faire des parties en plusieurs. Il n'y a aucun souci. Je suis même preneur. Qu'on peut jouer ensemble, etc. Et voilà, on peut jouer ensemble. Donc voilà. Alors c'est parti. Je suis en solo. Donc là, c'est à 10 joueurs. Il y a des coffres où on peut trouver de la vie en plus et de la force. Et après, il faut se taper sur la gueule. Et on a une... C'est un battle royale en fait, un mini battle royale. Il y a d'autres persos qui sont là. Et là, il y a des coffres qu'il faut arriver à Link. Enfin, à Link. Voilà, alors je me barre parce que l'autre va arriver, il va essayer de me tuer. Voilà, on va essayer de se back un petit peu, on va essayer de l'attaquer un petit peu. Ça va, il est trop loin. Ah là, je prends cher. Je prends très cher. Il va essayer de me finir. Ça va, on régène donc ça va. C'est pas un problème. Mais on n'est plus que 6 survivants. Et ce mode de jeu est le plus facile pour gagner de l'XP rapido. Ah, je suis vaincu. Mais j'avais le gros qui était sur moi. Oui, j'ai fini 6ème. Et j'ai eu un trophée. Donc faut pas finir plus bas que ça. Ok, on continue. On va refaire ce mode de jeu. J'aime vraiment bien ce mode de jeu. Il est assez bien. C'est un des modes de jeu que je joue le plus. Parce que bah, t'es tout seul et que tu te bats. Voilà. Ah là, en plus, je suis en coin de map. Il y en a un là-bas qui... Ouais, je vais courir avoir un gros là. Ah, il vient pas. Curieusement, il vient pas parce qu'il prend buté, il a plus de vie que moi. Vous voyez, j'ai ma vie qui est passée à 4390. Donc, ah, là, on a le truc qui est arrivé. Ouais, mais toi là-bas, t'es assez chaud patate, hein. On va pas aller te provoquer. Je fais bien sûr à distance, hein, parce que j'ai pas envie que le gars vienne. Là, on essaie de rush un petit peu. Voilà. On passe quasiment à 5000. Toi, par exemple, t'as que 3000 de vie et t'en as 2. Donc, il est vraiment. Oula, mais il fait mal, hein. On n'a plus que 4. Donc, des parties comme ça, j'en ai déjà gagné quelques-unes, hein. Mais. Par exemple, là, on a volé le kill, par exemple. Ah, presque! Oh bah dommage, j'aurais pu le battre celui-là. Là on va avoir un peu plus. On a 5. Donc voilà, c'est vraiment le mode de jeu où on peut le plus rush. Et j'ai un jeton star en plus. Donc c'est nickel. C'est vraiment le mode de jeu où on peut avoir le plus. Et là on a un double coffre, on va les ouvrir. On va ouvrir ce coffre. D'abord, voilà, on a 330. Alors toi je peux t'améliorer. Gold, je peux pas t'améliorer. J'ai pas sur mon ours là. Dommage. Allez hop, suivant 52.
Ah, il y a Coco. On a... Oula! Et toi, tu peux être vraiment bien, bien maxé. On va aller voir tout ça. On peut aller améliorer toi. On peut encore améliorer. Non, je peux pas t'améliorer. T'as 4000. Mais j'aime pas trop te jouer, toi. Donc, voilà. C'est le Pokémon. Enfin, je vais dire c'est le Pokémon de base, mais non. C'est le personnage de base. Donc, voilà. Alors, pour les vidéos, c'est vraiment très calme. Donc, vous allez voir. Je vais sûrement avancer beaucoup dans le jeu. Mais bon, hein. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu qu'on doit vraiment être tout le temps. On doit pas tout montrer, quoi. C'est juste des combats comme ça. Donc voilà. Hop, on va. Est-ce que braquage on tente? Non, on va refaire un survival en solo. C'est moyen de gagner le plus, hein. De gagner le plus en termes de trophées. Hop, on va vite essayer d'aller chercher notre petit coffre ici, tranquillement en bordure. Faut essayer d'avoir un coffre minimum. On est corps 10, c'est pas encore une mort. Voilà, là il y a le premier mort. Donc, tant qu'on arrive à 7 ou 6, on gagne des. On en gagne, hein. Donc, le but est d'arriver sur premier, hein, le plus haut possible, mais bien sûr, arriver à avoir des trophées, minimum 1. Donc là, je pense qu'on l'a, hein. Donc, voilà, boum, hop, on est content. On va arriver à 5000. On n'est plus que 6. Non, on va passer par là, sinon je vais pas pouvoir passer. Et il y a une zone au milieu où il y a pas mal de coffres. Il y a beaucoup de coffres. Si tu arrives à le rush là-bas, c'est nickel. Voilà, lui, il y est. Regardez, il est déjà à 7, quoi. Ouais, ils ont beaucoup trop de vie en fait. Il y a des personnages qui sont déjà assez boostés. Et le mien ne l'est pas. Donc, je peux pas faire autant de dégâts qu'eux. Mais ça le fait, quoi. Ça le fait. J'arrive à gagner des trophées tranquillement. Et bien sûr, à monter ça. Alors, on va bien sûr. Ben, on va relancer une. Ouais, à peu près. C'est des épisodes à peu près de 20 minutes. Hein. À peu près de 20 minutes. Donc, c'est pas des grosses vidéos comme. Comme Free Fire. Hein. Ouais, je pourrais. Hein, en vrai, je pourrais. Je sais pas. Je sais pas. Ce sera entre 20 et 30 minutes. Pas plus. Parce qu'après, ça devient lassant. C'est toujours la même chose. Hein, toujours les mêmes maps. Donc, je vais essayer de le. J'ai mis l'ours. J'ai mis l'ours. J'ai mis l'ours. Faut que je régène, mais j'ai mis l'ours pour moi pouvoir essayer de back un petit peu. Mais j'aurais pu le finir l'autre. Hein. Vais essayer d'aller chercher ça pour avoir un peu plus de vie. Encore un, voilà, nickel. Donc là, je suis un peu plus de vie. On est plus que 5. Mais il va aller chercher tous les trucs. Et il m'a vaincu. Il tape fort, hein, il tape fort. Mais je sais pas combien il est, hein, mais il tape fort. Comparé à mon ours. Mon ours n'est que 2, hein, je pense. Il est que rang 2. Enfin, il est rang 10, mais parce que je l'ai plus joué, mais. En termes de trucs, il est que pouvoir 2 comparé à lui. C'est quoi la différence? 4000 de vie, 345. Ah, mais dégâts, voilà, il fait plus de dégâts. Il a un peu moins de vie, mais il est beaucoup mieux, quoi. Mais j'ai rien pour lui. J'ai rien. Total, j'ai que dalle. On va essayer d'avoir un peu plus. C'est parti. On est reparti pour une game. Et en même temps, on gagne. J'arrive toujours à être dans les 5 premiers, donc on gagne toujours. Un petit peu. Hop, je vais vite aller chercher celui-là. Parfait. Allez, encore. On fait un petit double et on finit. Voilà, on va vite aller chercher celui qui est là au milieu là. Je dois en avoir deux. Où est-ce que je vais finir celui-là? Non, non, non. On va essayer de se stuff. On va essayer de se stuff un petit peu. Wow. Fais pas aussi mal, hein, toi. Pourquoi ils sont sur moi?
Ok, j'ai l'autre qui est venu m'aider. Involontairement, mais il est venu m'aider. Ok, lui, ils sont en train de faire des carnages là-bas. Waouh, dommage. J'arrive pas à bien gérer là. Je sais pas, mais regardez, il a déjà 8000 de vie quoi. Enfin, je peux pas aller chercher des gens qui ont des gros persos. Encore, donc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, 31, il m'en manque un. Ah non, c'est bon, on l'a eu. Donne-moi. Ah, voilà, mais il n'y en a pas autant. Hein. Faut plus. Ok. Bah nickel, on a eu un petit peu. On va essayer d'aller en rechercher. Ça va être compliqué. Bah allez, on y va. Hop. 10, ok, on est 10 joueurs. Et les parties vont assez rapides à trouver, hein. C'est pas. Ça dure pas 3 heures à trouver une partie. Ça, c'est nickel, ce mode de jeu. Enfin, ce genre de jeu comme ça. Il faut pas 3 heures pour trouver une partie. En fait, mon ours est très utile, mais pas pour ce mode de jeu-ci. C'est déjà assez dur de faire des dégâts. Donc, il est bien, mais pas pour ce mode de jeu. Déjà moi celui-là il a 6000 de vie. Moi je suis qu'à 4000. Je peux pas non plus aller chercher les gros trucs quoi. Hop. Ok encore. On va peut-être tenter hein. Je suis là en fait et j'essaie de choper les trucs en fait. Mais j'arrivais pas. L'autre il a 7000 et il a. Enfin il a 7. Ah il est mort. Ok. Bon, hop, on va recommencer. On a pu encore choper que 2. Pas terrible. On a chopé, ça va. Hop, on peut quitter. Et voilà. Et bien sûr, toutes les 2 heures et demie, on peut avoir 20 jetons en plus. Parce que là, je suis plus qu'à 4. J'en aurai 8 parce que j'ai le double. Mais on peut pas avoir plus de jetons. Donc, voilà. Ce serait trop abusé, on aurait trop de gros persos. Après, bien sûr, on peut acheter hein, des trucs, des persos. Ah bon, on a un truc gratuit. Je sais même pas qu'on pouvait le faire. Ah, on peut acheter aussi. Ah, c'est nickel ça. On peut en acheter 15. Vas-y, on peut acheter ça. Vas-y, on achète. On achète un petit peu parce que là, c'est un peu la bérésina. Ah, je peux plus en acheter. Par exemple, pour lui, je peux plus. Donc voilà, on va attendre. Au prochain coffre avec à lui, on va pouvoir augmenter et se mettre bien. Parce que là, il me manque combien lui? Il me manque 4. Et si j'augmente, il aura quoi? Moi, je sais pas. On va s'en faire une dernière partie. Mais voilà, on va voir si on peut pas encore gagner quelques trucs en plus. Ouais, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Où on spawn? Ok, on spawn là-bas. C'est pas un bon spawn, on spawn au milieu. Ok. Bon, là, je l'ai vu parce qu'il n'avait pas beaucoup de vie. Hein, mais il faisait beaucoup de dégâts. Là, on peut choper les deux en un coup. Ok. Encore un. Et là, on en a deux. Boum. On va se planquer un petit peu le temps de régénérer un tout petit chouïa. On a 5000 de vie. Et on fait pas encore assez de dégâts pour dire de mettre notre ours en fight. On est plus que 5. Et ça, c'est bien. Ok, là on a mis du feu. Bizarre. Ah, c'est toi. Oh non! Mais j'ai quand mon ours! Mais il va buter mon ours! Non, c'est dommage! J'aurais pu, j'avais commencé une bonne partie là. Oh, dommage. Pas grave. Ok. On en a pris 4.
Et là, on doit attendre pour que ça se régénère, pour pouvoir en avoir. Mais on peut toujours avoir des trophées. Donc ça, on va tenter. Attendez. On va tenter. Allez, on va tenter ceci. Braquage. Il faut être à 6. Je connais pas le mode de jeu. Je connais pas le mode de jeu. Ok, bon, je pense savoir. Je pense qu'il faut péter le truc. Ouais, faut péter le truc, c'est ça. Ouais, c'est un capture de drapeau à peu près. Ok, là j'ai pris très cher, mais eux aussi ont pris très cher. Ah ouais, on a un pourcentage. Je peux déjà mettre mon ours, donc ça c'est nickel. Je vais déjà le mettre. Hop. Mais non, mais il reste 49. Mais non, mais. Ah, par contre, eux ils prennent cher. Ils prennent cher, leur coffre prend cher. Bah, je défends tout seul. Je défends tout seul, mais leur coffre a déjà pris la moitié de leur vie. Donc ça, c'est nickel. Moi, je défendais notre coffre. Wow. C'est un bordel, hein? Mais j'aime bien ce mode de jeu. Il est marrant. Faut qu'on aille taper les gars. Par contre, lui avec sa bombe, il fait trop mal, lui. Voilà, j'ai fait un double kill, là. Enfin, quasiment. Ouais, bon, les ours vont faire un petit peu le taf, hein. Voilà. Et moi qui donne des coups. Voilà, je pense qu'on va gagner, hein. J'ai pris 0 dégâts. Voilà, j'ai pris des dégâts, mais. Ouais, mais il peut lancer à travers les murs. Mais il est sérieux? Là, je joue d'autres persos aussi pour que je m'entraîne, mais j'aime tellement bien celui-là. On peut mettre un ours. Ok, j'ai commis des dégâts. Donc, le but, moi je vais rusher le truc. Hein. Ils vont rien comprendre à leur vie. Je vais le rusher, moi. Okay. Ah, c'est lui qui a eu le kill, vague. Ok, bon là normalement c'est fini, hein. Il reste quoi? 2%. Ok, on a deux spawns. Ouais, même je pense qu'on va gagner avec le temps. Match terminé, on a gagné, non? Ouais. Ok, bon ça va. On en a eu 5. Ouais, c'est pas mal. En plus il y a un temps, donc on peut pas non plus trop attendre. En plus, on a un jeton star. Bon, là, j'en ai eu parce que je suis monté de niveau. Hein. J'ai eu ça. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien le mode de jeu. Il est pas trop mal. Mais je préfère largement truc solo là. Ça. Donc voilà. Bon, vous étonnez pas si je suis à 300 trophées quand vous allez me revoir. Vous étonnez pas. Si j'ai changé de perso, etc. Je vous dirai bien sûr tout ça la prochaine fois. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois. Allez, portez-vous bien. Bye bye.